Bonjour YouTube, bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café. Nouvelle vidéo achat manga, ça faisait longtemps. Cette fois-ci, une vidéo est à 100% avec l'un des auteurs que je préfère dans l'univers du manga, Hiroyuki Takai. Et je pense que vous avez deviné quels seront les mangas d'Hiroyuki Takai que j'ai acheté. Bien évidemment, l'œuvre la plus connue de Hiroyuki Takai qui est ressortie il n'y a pas très très longtemps, Shaman King, le tome 4 et 5 de Shaman King qui sont sortis le mois dernier, qui sont même sortis en novembre, je crois, de mémoire. Le tome 4 et 5, je ne les avais pas encore. Bon, bah forcément, c'est du Shaman King. Pour ceux qui connaissent, on est dans le tome 4 au combat contre l'oncle N, l'oncle de Tao Len. Et du coup, le tome 5 suit, c'est la fin. Et ensuite, il se dirige enfin vers le village Pache avec la découverte de Lili Lala et aussi l'arrivée de Lizorg dans Shaman King. Donc voilà. On arrive avec ce cinquième tome enfin au noyau dur, on va dire, du manga. Fini l'introduction, on commence le manga avec le tome 5, avec le tournoi des chamans qui prend forme et l'arrivée de Lizorg et l'arrivée de Ao qui est charismatique as fuck. Donc, voilà. Et puis la petite jaquette, toujours. Voilà, je sais pas si vous le voyez bien. La petite jaquette, Oro Oro. Bref, Shaman King. Un classique, j'étais obligé, j'adore Shaman King, vous le savez. Alors là, du coup, une autre série d'Hiroyuki Takai. J'en ai parlé sur la chaîne il n'y a pas très très longtemps. Il s'agit de Ultimo Karakuri Doji Ultimo. Les 8 premiers tomes de Karakuri Doji Ultimo. Alors, ça a été très compliqué. Je vous explique, je les ai trouvés sur Vinted, mais à l'origine, je ne devais pas avoir ce lot-là. Je devais avoir un lot avec les 9 premiers tomes. Ce qui, vu que la série contient 12 tomes, c'était cool d'avoir les 9 premiers. Sauf que, en fait, j'ai acheté la série, mais le colis s'est perdu. Donc, du coup, j'ai galéré et je voulais faire un manga café sur Karakuri Doji Ultimo. Et je me suis dit, ça me fait chier de lire les scans. Mais j'ai toujours pas reçu mon colis. Je me suis fait rembourser par Vinted. Le vendeur, lui, bah, il a perdu ses mangas. Personne sait où ils sont. Bien évidemment, on sait très bien qu'ils ont été perdus. Volés surtout. Et du coup, par chance, parce que c'est très rare de trouver un lot sur Ultimo, parce que c'est pas un manga connu et c'est pas un manga que les gens possèdent forcément. Il a pas eu de succès. Et je trouve les 8 premiers tomes encore moins chers que ce que j'avais payé pour les 9 premiers tomes. Donc un deuxième lot avec les 8 premiers tomes, malheureusement, ouf, trouvé. Mais j'adore Ultimo, j'ai vraiment adoré. Et puis Ultimo, c'est surtout le premier manga en collaboration entre Hiroyuki Takai et Stan Lee. Vous avez Stan Lee à l'intérieur, Stan Lee himself, oui, le méchant principal de la saga, c'est Stan Lee. Enfin, c'est un personnage joué par Stan Lee. C'est Dustin. Voilà. Et en fait, c'est joué par Stan Lee. C'est carrément le chara-design de Stan Lee en version japonisant badass, quoi. Donc voilà. Ultimo, c'est des robots, enfin, des robots, des sortes de pantins mécaniques robots venus du futur qui sont envoyés dans le passé à différentes époques pour se foutre sur la gueule, pour savoir du bien et du mal. Lequel gagnera cette bataille. Bref, il y a de l'inspiration comics. Il y a une très grosse forte patte de Hiroyuki Takai. Vraiment, on voit très vite le chara-design et la patte de Shaman King dedans. C'est normal et j'adore ce chara-design très anguleux et très, très, très pointu au niveau des visages. Il y a une grosse inspiration au niveau du Urasawa. Il y a une très, très grosse inspiration au niveau aussi de Astro Boy et compagnie. Bref, c'est un manga qui est excellent. C'est court, ça fait que 12 tomes. Si vous voulez découvrir une série ultra intéressante, lisez Ultimo. Personnellement, je vais peut-être me la refaire dans pas très très longtemps, mais il faut que je trouve les 4 autres tomes. Et je les ai trouvés à des prix exorbitants. 50-70 euros le tome. Donc ça pique un peu, donc on va attendre avant de finir cette série qui est presque finie, puisqu'il m'en manque que 4. Et c'est tout. C'est juste ça. Voilà. Du Hiroyuki Takai. Tout simplement. Voilà. Shaman King et Ultimo. Ça fait plaisir de les rentrer dans la collection.
C'est du Hiro Yuki Takai, c'est vachement bien. Là, ce coup-là, j'avais pas grand chose. Je cherche sur Vinted des nouveaux lots pour des prochains achats manga, rentrer des nouvelles séries, mais il va peut-être falloir aussi que je termine celle-là. Parce que mine de rien, j'en ai des séries à finir. Donc va peut-être falloir que je les finisse. Mais ce n'est pas grave. Du coup, on se retrouve demain pour un nouveau Manga Café News. On recommence la semaine avec les Manga Café News, avec des news, mais croustillantes à souhait. Et on se retrouve bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas, on se retrouve quasi tous les soirs en live sur Twitch. Donc n'hésitez pas à me suivre sur la chaîne Twitch pour rigoler un bon coup avec nous. En attendant, prenez soin de vous et on se revoit très très bientôt. C'était Méric. Boujou, les internautes.